Bonjour. Ça va bien? Ça va et vous? Très bien. Bon, c'est pas le but le plus difficile que tu as marqué samedi, mais il fallait être là au second poteau. Ouais, non, on avait travaillé pendant la semaine des mouvements. Riz, il devait aller au premier. Moi, je devais aller derrière Riz. Et je sais pas, cette fois, j'ai senti qu'elle pouvait aller au second. J'y allais. Qui ne t'entraîne à rien, je suis allé. Mais c'était juste. Bon, tu étais sûr de ton coup? Tu as levé les bras de suite? Dans ma tête, je sais pas pourquoi, je pensais qu'il y avait la montre, mais non, il n'y avait pas. Mais bon, heureusement, il y avait mon coéquipier Rasmus, au cas où s'il ne rentrait pas pour la mettre au fond. Avec Rasmus, justement, vous montez tous les deux, toujours, sur les coups arrêtés, et vous en prenez quand même beaucoup de ballons de la tête tous les deux. Ouais, justement, on a la chance d'avoir de bons timings. Pendant la semaine, on essaie aussi de travailler, comme j'ai dit, nos mouvements, et voilà, on essaie de gagner nos duels et tant qu'il y ait le plus possible. C'est vrai, tu le disais, ça, sans trahir de secret, la déviation de Riz au premier et un second pour fermer, c'est l'une des combinaisons sur quand même. Je pense que tout le monde a. C'est que le premier va au premier et quelqu'un qui ferme au second. Les coups de pied arrêtés, heureusement, parce que ça a permis de revenir au score, en tout cas de débloquer votre situation. C'est toujours une arme, on le sait, vous êtes très performant cette année, cette saison sur les phases statiques, mais ça a bien aidé samedi face à une équipe et un bloc et une défense regroupée, comme vous allez en avoir beaucoup, beaucoup cette saison. Ah justement, quand on joue contre des équipes où essayer de trouver du jeu c'est compliqué, les seules armes qu'on peut avoir c'est justement un coup de pied arrêté. Et quand on dit que ça joue sur des détails, ben justement un coup de pied arrêté c'est un détail important et on essaye justement d'être performant sur tous les petits détails. Bon, vous sentez presque un sentiment de alors je ne vais peut-être pas dire de rage, mais face à l'injustice d'être mené 0-2 à la mi-temps, sachant qu'ils avaient eu une demi-occasion, on va dire. C'était le discours, hein, je crois, du coach à la pause. Ça vous a vraiment animé dans cette seconde période? Je pense que vous l'avez vu sur la seconde période. Mais ouais, les mots du coach ont été de ne pas lâcher, justement, de revenir sur justement cette injustice et de ne pas lâcher jusqu'au bout. Ils sentaient qu'on allait revenir et peut-être pourquoi pas gagner. Et toi qui es défenseur et la défense en général, ce genre de scénario, il doit y avoir une énorme frustration? Non, franchement, c'est le pire. Prendre un but, déjà, c'est compliqué. Et prendre deux buts, justement, sur une demi-occasion, ça fait encore plus mal. Mais bon, après, heureusement, il y avait tout le monde pour revenir dans le match et on est revenu comme il fallait. Bafo, c'est Guingamp, maintenant, qui arrive au stadium. On vous a laissé la dernière fois ici sur un 6-0 contre la GIA. Est-ce que c'est un peu piège, justement, de rester sur ce match un peu dingue, un peu historique, parce que ça fait 20 ou 30 ans qu'on n'avait pas vu un 6-0, ou est-ce qu'au contraire, c'est bien d'être sur un tel souvenir à la maison? Non, c'est bien d'être sur un tel souvenir, justement, mais il ne faut pas trop se focaliser dessus, on essaie de garder le bon et de mettre en place le bon qu'on a eu durant ce match. À la maison, il y a déjà eu une défaite contre Caen. Est-ce que vous vous êtes dit, après ce match-là aussi, ce sera la seule de la saison, il faut que le stadium, ça reste la cathédrale? Ouais, comme vous l'avez dit, ouais, il y a eu cette défaite. Mais bon, là, maintenant, on essaie d'essayer de prendre le moins de buts possible déjà pour commencer. Et si ça peut suivre aussi, de pas faire de défaite, c'est le mieux. Être leader, justement, Bafo, il y a Sochaux qui colle juste derrière à un point, même si on sait qu'il y en a deux qui montent à la fin. Est-ce que psychologiquement, ça compte quand même de garder cette place de premier, de leader? Ils ont failli la récupérer ce week-end ou pas du tout? Est-ce qu'il y a cet effort de rester absolument premier un maximum? Ah non, je pense que le but de toute équipe qui est devant au classement, c'est de rester premier. On sait que justement ils sont derrière et qu'ils nous suivent, mais justement ça nous met une bonne pression pour nous dire qu'à chaque match faut qu'on soit tranchant et faut qu'on gagne nos matchs. Alors on le disait tout à l'heure, il va y avoir des équipes qui sont presque 11 derrière. Ouais. Donc devant, il faut être hyper efficace. Et derrière, vous n'avez pas le droit à l'erreur. Ça compte, tu penses, quand tu es sur le terrain, notamment dans le risque pour les relances parfois, etc. Ah, mais justement, vu que toutes les équipes seront derrière, la moindre erreur pourrait leur servir à jouer le contre. Donc justement, on essaie de prendre notre temps, de ne pas se presser et de faire en sorte que nos passes arrivent et qu'on finisse nos actions. Effectivement, on l'a vu, vous tournez beaucoup hein, avec Rasmus, tous les deux, vous passez sur les côtés. La patience aussi, ça s'apprend, quoi. Ça s'apprend et c'est important.
et essayer de tout le temps relancer vite s'il faut, nos coéquipiers ne sont pas prêts. Donc on essaie de prendre le temps, de voir les bons espaces et fermer en ressort et de trouver la bonne brèche. Bafo, il y avait plus de 600 supporters toulousains à Paris, un gros parkage. Dans quelle mesure leur présence, leurs encouragements, ça vous a permis de redresser la barre avec le scénario où vous étiez mené à la mi-temps? Dans quelle mesure leur soutien a été important pour vous? Ben justement, durant le fait qu'on perdait 2-0, on les a sentis là, présents. Ils faisaient presque même plus de bruit que les supporters du PFC. Et non, franchement, on les encourage à continuer ainsi, parce que justement, on a besoin de leur soutien. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de soutien comme ça, et on espère que ça va continuer ainsi. C'est un message pour qu'ils viennent à Guingamp aussi, c'est ça? Qu'ils viennent partout, jusqu'à la fin. Justement, on sent cet élan retrouvé déjà l'année dernière. Ça perdure et ça s'amplifie cette année puisque justement les stades peuvent à nouveau se remplir. C'est effectivement, comme le disait Vincent, c'est vraiment important de les avoir derrière, de sentir il se passe quelque chose, quoi. Il y a une ferveur, quoi. Ah, ben, comparé à l'année dernière, c'est sûr que franchement, il y a une différence. L'année dernière, c'est on jouait, mais on sentait qu'il manquait quelque chose. Et là, justement, cette année, le fait qu'ils soient là, que même quand on perd 2-0, comme vous l'avez vu, ils nous soutiennent, ça donne une énergie en plus. Et donc, ça nous galvanise, pardon, et ça nous aide. Tu reviens plus au jeu avec Ouais. Rasmus, donc ça te fait 4 matchs, si je ne Ouais. m'abuse maintenant. On sent que le duo fonctionne de mieux en mieux. Alors comment vous répartissez un peu les rôles et quel est le discours du coach justement par rapport à vous, la charnière? Il n'y a pas vraiment de rôle, hein. On joue quand il faut jouer, on joue. Ça se fait naturellement. Gauche à gauche, droite à droite. Et ça se fait naturellement. Il n'y a pas de choses précises qu'on nous donne. On vous laisse le choix et faites à votre sauce. Mais il faut que ce soit bien. Exact. Oui, bonjour Bafo. Bonjour. On sait que tu es très proche de Manu Koné. Est-ce que tu l'as appelé hier soir en cette nuit? Son Ah, prénom. j'ai pas osé l'appeler, je pense qu'il a dû avoir beaucoup d'appels, mais je lui ai envoyé un message. J'ai regardé le match et je suis très content pour lui. Bon, plus sérieusement, en fait, l'an dernier, il y avait Manu, il y avait Amine, il y avait Janice. Voilà, vous étiez une bande de jeunes depuis le centre de formation et tout, vous vous entendiez super bien. Comment tu vis cette année, justement, le fait qu'il y ait un petit peu moins voilà, de jeunes titulaires avec toi? Ben franchement, on s'était préparé. Franchement, je le vis bien, je suis content pour eux et je me dis que maintenant c'est à nous de faire le maximum aussi pour que déjà faire avancer le club et atteindre nos objectifs et faire et la suite faire ce qui doit arriver. Tu as un petit peu attendu avant de jouer cette saison, Ouais. puisque ça a été la blessure d'Anthony. Ouais. Ton premier match contre Caen, c'était un petit peu compliqué. Comment tu as vécu cette période justement entre le fait de revenir titulaire, d'avoir un premier match un peu compliqué? Comment tu as vécu ça? Ben, franchement, c'était un peu compliqué parce que justement, avant que je revienne, ça se passait bien. Je disais que justement, le fait que je revienne, j'espère que j'allais pas être la bête noire. Mais bon, non, sur le coup, c'était un peu compliqué, mais ça allait. Pendant la semaine, après, j'ai parlé avec le coach. Il m'a remis en confiance avec les coéquipiers. Et après, c'est redevenu normal. On parlait tout à l'heure des montées sur les coups de pied arrêtés. Généralement, c'est plutôt avec la tête que tu marques. Est-ce qu'il y a un petit objectif aussi de but? Voilà. Est-ce que tu le travailles à l'entraînement, ça? Ah, tous les jours je travaille. J'ai un objectif, j'ai pas envie de le dire, mais j'ai un objectif. J'espère l'atteindre à la fin de l'année. Et voilà. Objectif de but, tu veux dire? Ouais, de but. Ah oui, non, pardon. L'avantage, on dira que tu es commencé ta saison assez tard parce que tu as été blessé Ouais. aussi. Il y a à la fois la coupure aux entours, mais il y a à la fois aussi surtout ta blessure parce que tu avais fait une très bonne prépa. L'avantage, c'est que tu es tout neuf, tu as plein de gaz là, non, aujourd'hui? Comment tu le sens? Parce qu'on va déjà quand même arriver à la trêve de novembre, donc ça commence aussi à peser dans les jambes de tes petits camarades, non? Ouais, pour certains, ouais. Mais comme je l'ai dit, moi, c'est juste mon quatrième match. Je vais enchaîner sur le cinquième, j'espère. Et non, moi, ça va. J'espère que ça va continuer ainsi. Justement, le fait que je sois prêt, je peux apporter un élan par rapport aux autres. Et certains, ils vont être fatigués. Ils voient que si je les aide à se motiver un peu, ils vont suivre. On le disait un peu tout à l'heure en nommant les individualités l'année dernière, on a l'impression que cette année il y a peut-être moins d'individualité, mais il y a un collectif plus fort. Est-ce que nous on a l'impression de cette impression, pardon, de l'extérieur?
que de l'intérieur, toi, qui vis avec le groupe Force au quotidien, c'est également ton sentiment? C'est également le même sentiment. Parce que l'année dernière, justement, on était en construction. Et je trouve que cette année, justement, la construction, elle a durci et le noyau, il est plus dur. Je trouve qu'on est plus ensemble, le groupe, il est plus soudé et que, justement, tout le monde s'entend bien, s'entend mieux. Et il n'y a rien à dire. On parle aussi du vécu. Le fait d'avoir justement vécu une première saison en Ligue 2, ça se sent cette année dans l'approche, dans la préparation des matchs, dans la gestion des matchs, parce qu'on peut penser qu'un match comme celle de l'année à Paris, l'année dernière, ne serait peut-être pas revenu. Ouais, non, justement, cette première année nous a fait du bien. Elle nous a fait du bien. Et justement, maintenant, on sait comment approcher les matchs, comment se préparer. Et non, ça nous a fait du bien. Même si on est passé de peu, ça nous a fait du bien. Bafo, je voulais revenir sur nos deux Allemands là, qui nous ont quittés, Amine et Manu. Ouais. Quelle relation vous avez maintenant qui sont plus loin? Et comment tu suis, toi, un petit peu les... T'arrives ouais, à suivre leur performance en Bundesliga? Déjà au niveau de la relation, c'est la même. Quand on s'appelle, on s'envoie des messages. Et ouais, maintenant je commence à regarder leurs matchs. Je vois leur performance. J'ai même mis la cloche là sur la notification, au cas où si je ne peux pas. Et non, franchement, j'essaie de suivre les matchs, tout ce que je peux, je suis. C'est tout ce que je peux. Et ils ne t'étonnent pas trop, ces deux-là? Alors, je les connais depuis longtemps, franchement, leur qualité, je connaissais. Après, c'était juste une question de temps, le temps que certaines personnes voient, qui montent. Mais non, moi, je suis pas étonné. Je suis normal, je suis content pour eux, juste. Bafo, justement, je sais que Amine et Manu également avaient à cœur l'an dernier, malheureusement ça ne s'est pas produit, mais de maintenir le club, leur club, enfin de faire monter leur club en Ligue 1. Aujourd'hui, ils ne sont plus là. Toi, en tant que pitchoun, est-ce que tu te sens un petit peu l'héritier de cette quête? Et est-ce que c'est quelque chose qui te tient peut-être encore plus à cœur que l'an dernier, maintenant qu'ils ne sont plus là et que tu es un des derniers, des rares pitchouns de l'effectif pro? Exactement, oui. Franchement, c'est un objectif que je me suis fixé justement en tant que... Enfin, après, je ne suis pas le seul, il y a aussi Nathan, Moussa aussi. Mais personnellement, ouais, c'est un objectif que je me suis fixé, aider le club à le remettre en place, c'est-à-dire retrouver l'élite. Et franchement, j'espère qu'on va arriver à la fin. Le TEF, tout va bien, les résultats, il n'y a pas de blessure, pas de suspension. Ouais. C'est quoi le danger aujourd'hui? C'est nous, justement. C'est en fonction de nous. Je pense qu'on peut faire des grands matchs comme on peut des fois aussi être un peu fébrile, mais je pense que le seul danger, c'est nous. Les adversaires aussi peuvent être un danger, mais le plus grand, je pense que c'est nous. C'est vous? Non, une petite dernière, au niveau de l'équipe de France, là, tu peux toujours être appelé en espoir, c'est ça? Ouais. C'est aussi une motivation, un enjeu, un objectif perso de la saison? Ouais, c'est un des nombreux objectifs que j'ai, ouais, également. J'espère y faire partie de la campagne. Mais pour l'instant, je préfère me concentrer sur le club. Si ça se passe bien en club, de toute façon, ça suit. Ça va de pair.